Le récit qui va suivre s'inspire d'une histoire vraie. Je suis sûr que tu ne trouveras pas ce genre de gâteau en Californie. Oh, papa. Laisse-la tranquille, papa. Mais quoi, qu'est-ce que j'ai dit? Mais c'est impossible. Elle a été choisie parmi une centaine de candidats. Et alors, elle peut très bien renoncer, il est encore temps. Oh, laisse-la, c'est une occasion rêvée et tu le sais très bien. Ah, bon, Laura, que faut-il que je dise? Papa, mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui te prend? Tu sais bien que c'est une chance inouïe pour moi. J'ai déjà du mal à croire qu'il m'ait choisi moi. Il y a des tas d'emplois ici en Virginie. Oh, Tom. Silicon Valley est la meilleure région et Kay est le meilleur. C'est toi qui m'as appris à viser le sommet. J'ai fait ça, moi? Oui, toi. Tu vas me manquer, bébé. Vous me manquerez aussi. Ça va aller. L'essentiel de votre travail. Presque tout, en fait, sauf lorsque vous passerez aux essais pratiques qui ont lieu dans la zone de sécurité. À propos, il va falloir que je vous demande un laissez-passer pour la sécurité. Très bien. Et voilà votre bureau et vos ordinateurs. Vous portez votre badge sur la poitrine sans l'enlever jamais. Ils ont un code de couleur. Quand vous aurez obtenu le doré, vous aurez accès à toute la caverne d'Ali Baba. Oui, venez. Je crois qu'on a gagné. On a réussi à avoir un rythme à 20 MHz sans aucun signe de défaillance. Excusez-moi, je n'avais pas vu que vous étiez... Non, ça ne fait rien. Rich, voici Laura Black. Laura est notre nouvelle ingénieure projecteur d'études. Elle va travailler sur le traitement des transmissions. Enchantée, Rich. Comment allez-vous? Ça va. Bon, nous allons manger un morceau. Vous venez avec nous? C'est une bonne idée. Allons-y. C'est bien. Dites donc, vous aimez le softball? Tant mieux, parce qu'on a une super équipe. Vous allez très vite apprendre que les employés de Kay forment une grande famille. Une famille parfois désunie, mais quand même. En tout cas, Laura n'est pas chez Kay pour jouer au softball. Vous avez un appartement ici? Non, je voudrais en partager un.
Oh, alors il vous faut trouver un exemplaire de notre extraordinaire mensuel. Vous y découvrirez tous les menus des 3 derniers mois à la cantine. Et ils ont des annonces pour les partages de logements. Merci, je vais regarder. Je vous ferai visiter les dépendances ce soir. Ah, excusez-moi. Hey! C'est une sacrée voiture que vous avez là. Je l'ai achetée pour la neige. Vous aimez le ski? J'adore le ski. Il paraît qu'on n'est pas loin des meilleures stations du pays ici. 2 heures. Vous avez déjà assisté à un concours de tracteurs? Non, jamais de ma vie. Ça a l'air drôle, je sais, mais c'est très très amusant. Il y en a justement un samedi sur le terrain vague et un ami m'a offert 2 billets. Alors si vous voulez venir avec moi... Je suis prise, désolée. On se connaît à peine, mais vous êtes en bonne main avec moi. J'ai une habilitation haute sécurité. L'Amérique a confiance en moi, vous pouvez y aller. Merci, mais non, je regrette. Ouais. Très bien, on y va. Allons-y. Bon, on retourne au bagne. Sauna, gym, jacuzzi, piscine, solarium avec bar et une douzaine d'autres installations dont on ne se sert jamais. Pourquoi tu veux t'installer à ce niveau-là alors? Je viens d'avoir mon diplôme et j'ai été embauchée au projet d'études chez Kay. Ingénieur? Waouh! Et dis-moi, il y a combien de garçons pour une fille? J'en sais rien. 10 contre 1? Incroyable. J'aurais jamais dû faire l'histoire de l'art. 12 garçons dans toute la promo et tous des PD. Tu te rends compte? Pas de chance. Tu viens de New York? Ça se voit? Oui, de Soho. Je peins. Des escaliers de secours, pourquoi? Ça m'inspire, j'aime. J'en ai vendu un sacré paquet. Ça doit faire un changement de Soho à Silicon Valley. Ouais, et en plus, crois-le ou non, j'ai pas trouvé de mécène. Alors, c'est quoi tes projets? J'ai d'abord une période de 3 mois d'essai. Je ne peux pas m'engager davantage pour l'instant. Oui, si t'es passé par une école d'ingénieurs et qu'ils t'ont prise à quai, je suis pas inquiète. Et tu crois que tu peux t'installer quand? Excusez-moi, je suis nouvelle, je ne savais pas qu'ils fermaient à clé. Ils ouvrent à 8 heures. Je voulais venir plus tôt pour m'installer. J'aurais dû me douter de ces histoires de sécurité. Je suis Glenda Moritz, je travaille à la compta. Enchantée, bonjour, je suis Laura Black. Je sais, vous êtes inscrite ici. Bienvenue. Oh, merci de m'avoir ouvert. Si je peux faire quoi que ce soit... Vous pouvez. Première base. Excusez-moi. Il nous faut une première base pour l'équipe de softball. Oh, entendu. Merci. Richard. Ça sent bon, pas vrai? Comment êtes-vous entré? Un bon petit cake au pruneau fait de mes blanches mains. Oh, il est 7 heures du matin. Qu'est-ce que vous faites ici? J'ai mal dormi. Quand je dors pas, je fais de l'informatique, de la pâtisserie et voilà mon secret. Un peu de citron, un zeste qui change tout. Tenez, c'est pour vous. Merci. Crazy!
Quelle surprise! Vous êtes justement la personne que je voulais voir. Vous avez trouvé un logement? Oui, c'est fait. Tant mieux. Devinez quoi? Quoi? J'ai 2 billets pour les Temptations en concert ce dimanche, ça vous dit? Je suis prise, désolée. Bon, oublions le concert, on pourrait dîner samedi soir. Non, je ne crois pas que ce soit une excellente idée. On aura du mal à avoir une relation normale si vous vous obstinez à refuser de sortir avec moi. Richard, les uniques rapports que nous aurons seront professionnels, dans le cadre du travail. Je trouve que c'est une drôle d'idée de porter des décolletés aussi sexy en public. Ça peut donner aux hommes une mauvaise impression. Allez, vas-y, vas-y, Phil. Frappe une belle balle. À vous, Nora, vous prenez la batte. D'accord, j'y vais. Laura? Quoi? Laura, j'ai repensé à la relation que je voudrais avoir avec vous. Je sais que le moment est mal choisi pour en parler, mais je crois qu'après la partie, nous devrions en discuter. Non, Richard. J'espère que c'est bien clair. Je refuse toutes sortes de rapports avec vous, quels qu'ils puissent être. Mais qu'est-ce que je dois faire pour que vous compreniez? Vous allez vous servir de cette batte en alu? Vous ne toucherez rien avec ce machin-là. Hey, allez, Laura, c'est votre balle. Pas d'entraîneur privé. Allez, Laura, c'est à toi. Il est encore temps de changer de batte, Laura. C'est une mauvaise batte pour vous, je sais de quoi je parle. Prenez-en une en bois. Tu cours à la première occasion. Compris. Première frappe! Dis donc, s'il te cause des problèmes, tu devrais aller dire un mot à la direction. Ça va aller, Glenda. Je m'en sors très bien. Continue à lui jeter ce regard noir et il arrêtera de t'offrir des gâteaux. C'est exactement ce que j'espère. Élise? Mm-hmm. Ça va? Le nouvel ingénieur qui est entré dans le groupe, Laura Black, un des techniciens a entendu dire que c'est bientôt son anniversaire et on aimerait lui faire une petite fête, alors je voudrais vérifier. Tu pourrais me trouver ça? Oh, bien sûr. Merci. Oh, ton technicien a dû se tromper, elle est née en janvier. Ah tiens, ça c'est curieux. Merci quand même, Phyllis. Laura, c'est pour vous. Je ne veux pas de vos cadeaux. Je me fiche de ce que vous voulez après la façon dont vous vous êtes conduite hier. Enfin, de quoi est-ce que vous parlez? Vous me faisiez des grimaces, je sais ce que j'ai vu. Une sale gosse qui faisait des grimaces, et c'est pour ça que je vous donne ça. Allez-y, ouvrez-le. De toute façon, je partirai pas avant.
tant que vous agirez comme une enfant, je vous traiterai comme une enfant. Il y a une lettre. Lisez-la. Donc, en attendant que vous disiez oui à une de mes invitations, je me tiendrai là, c'est une promesse. Si vous voulez vous débarrasser de moi, il faudra passer par là où je veux et accepter de sortir avec moi. Si on découvre qu'on ne s'entend pas, je vous laisserai tranquille. Ouh. Qu'est-ce que tu vas faire pour te sortir de là? J'ai pas l'intention de l'inviter à un pique-nique, rassure-toi. T'es inconsciente ou quoi? Ce type est dingue, il faut parler à ton patron. Je travaille avec 60 garçons. Je suis la seule femme de mon département. Il y a des personnes qui guettent ma première faiblesse pour sauter sur moi. J'ai toujours réussi à m'en sortir seule. Et je vais continuer. Et qu'est-ce que tu vas faire? Le poser sur une chaise et papoter avec lui? Il n'a pas l'air d'être facile à raisonner. Je refuse de devenir sa victime. Je ne veux pas lui accorder ce pouvoir. Oh, c'est là que tu rêves. Quoi que tu fasses, quoi que tu dises, il réagira mal. Il faudrait même pas que tu croises son regard. Tu aimes le tofu? Laura, ne réponds pas comme les artistes avec qui je travaille. Je parle sérieusement, qu'est-ce que tu comptes faire? Je vais verser le tofu dans la salade et puis nous allons dîner. C'est incroyable, c'est pourtant l'équipe favorite de la ligue. Et leur troisième base, il avait l'air de dormir debout. Et l'attrapeur, on aurait dit qu'il jouait au ralenti. Mais le plus drôle, c'était ceux du champ intérieur qui rêvassaient. Oui, c'est vrai, à l'idée de nous voir, les bons jeunes malades. Votre offensive les a tous surpris, Laura. Combien vous étiez, au moins 4 ou 5? Tu veux me resservir, Glenda? Merci. J'ai la faim. On commande? Ouais. Oh, hein? Je meurs de faim. Oui, oui, oui. Je voudrais le numéro 24, s'il vous plaît. Le numéro 26. Dinde, jambon, fromage, c'est le meilleur. Qui est-ce qui veut encore quelque chose? Moi, je voudrais un numéro 29. Merci. Non, non, mais moi j'en veux un aussi, moi. Ouais, moi aussi. Tout le monde est servi? Bien mérité. À nous. Et aux gens comme nous. Je croirai quand je le verrai. Tu vas voir. $300 pour un alternateur et une batterie. C'est quoi un alternateur, d'ailleurs? L'alternateur donne sa puissance au circuit électrique et recharge la batterie. Donnez-moi des métros, donnez-moi des taxis, donnez-moi des bus. Je préfère 100 fois ça. $300, c'est un paquet. Oh, mon Dieu. Oh. Parce qu'un salopard a crevé tous vos pneus la nuit dernière. C'est terrible, Laura. Je trouve ça affreux. Oui, ça ne m'étonne pas, Richard. Vous habitez un quartier très mal famé. Ou alors c'est une personne qui veut attirer votre attention. Personne ne m'obligera à faire ce que je ne veux pas faire. J'ai prévenu la police, elle mène une enquête. Et sans témoin, ils n'arriveront à rien de bien concluant. Ils auraient dû vous le dire. Ils veulent que je demande au juge une sommation contre vous. Écoutez, Laura, je ne veux pas qu'il y ait l'ombre d'un flic près de moi. Ça ne servirait qu'à me rendre furieux, ça serait pas malin. Dites-moi, vous avez réfléchi au remplacement de vos pneus? Pep Boy fait des soldes. Si vous voulez, je vous y accompagne. Tenez, je vous les paierai même, si ça vous arrange. Vous n'avez qu'à y penser et me le dire. Laura, nous savons que les ingénieurs peuvent se montrer excentriques, mais Richard Farley est l'un des meilleurs employés que nous ayons ici. Il est chez nous depuis 9 ans. Avez-vous eu des rapports avec lui hors de quai? Non, évidemment. Un soir, il attendait devant mon cours d'aérobic et un autre jour, il est venu devant mon appartement m'offrir un cadeau. Quel genre de cadeau?
C'était un jouet. Il a dit que c'était parce que j'avais été puérile lors de la partie de softball. Et pour me punir de lui avoir fait des grimaces. Et des grimaces, vous lui en avez fait? Je n'en sais rien, il m'embêtait. Oui, peut-être bien que je lui ai fait des grimaces. Et c'est le seul et unique contact que vous ayez eu hors du travail? Oui. Hormis le déjeuner, le jour de mon arrivée. Mais c'est tout. Oh. Ça n'était pas un rendez-vous. Chris, mon chef de service, m'a demandé de déjeuner avec lui et Farley passait par là. Il nous a accompagnés. Tout le monde a payé son repas. C'était mon premier jour. Je ne le connaissais même pas. Quoi? Vous avez toujours le même sourire pour parler aux gens. C'est le meilleur prof du coin. Les deux bras et un. Vous n'êtes pas supposé être ici. Penny est venue me parler. Elle m'a dit de ne plus vous embêter au bureau. Mais je fais ce qui me plaît de mon temps libre. Huit. On baisse. Et un. Deux. Trois. Quatre. Et cinq. Et six. Richard. Ça va être fantastique. Vous aviez envie d'une penderie? Vous allez avoir une penderie. Vous êtes le meilleur, le locataire du siècle. J'ai démoli l'ancien placard. Regardez ce que j'ai trouvé. Je croyais les avoir jetés. Je pensais que peut-être vous et Laura et moi, on aurait pu aller à Tao. Elle adore le ski, elle aussi. Oui, bien sûr. Richard, je sais que vous avez un faible pour Laura. Ce n'est pas un secret, toute la boîte est au courant. Mais je peux vous donner un petit conseil? Elle n'est pas intéressée. Pourquoi est-ce que vous vous obstinez? Matin, je t'écris. On peut se tutoyer maintenant, on se connaît si bien. Je n'arrive pas à dormir. Ça fait 2 heures que je réfléchis et que je pense à toi. Je t'ai regardé vendredi. C'est fou ce que tu es jolie. Ça me plaît que tu fasses semblant de m'ignorer, c'est tellement inutile. Tu es aussi consciente de ma présence que moi je le suis de la tienne. Crois-moi si tu veux, mais je déteste te harceler comme ça. Alors, je crois que je vais te faire des excuses. Je reconnais qu'il m'arrive de penser à toi sexuellement. Et le plus souvent, j'essaie de te comprendre, de savoir ce que tu dis, ce que tu fais, pourquoi tu refuses de sortir avec moi. On me dit sans arrêt que je devrais arrêter de perdre mon temps avec toi. Mais ils ne comprennent pas l'emprise que tu as sur moi. Ça te coûte cher en essence, ce truc. J'aimerais aller déjeuner. Je voulais savoir si t'aurais pas envie de venir manger un petit quelque chose. Je suis fatiguée. J'aimerais que vous me laissiez tranquille. Tout ce que je veux, c'est parler de nous. Je n'ai aucune envie de parler de quoi que ce soit. Je veux seulement que vous me laissiez tranquille. C'est ma petite amie. Non, je ne suis pas sa petite amie. Ça la prend de temps en temps. Elle fait sa crise, mais c'est pas grave. C'est une querelle d'amoureux. Enfin, vous savez ce que c'est. Laura, où est-ce que tu vas? Je voudrais qu'on parle. Thank you.
faut que je déménage. Très bien, je vais chercher un appartement où on sera en sécurité. Non, c'est mon problème. Tu n'as rien à voir là-dedans. Il faut que je m'en aille. Et tu voudrais me laisser seule avec ce dingue? Je déménage avec toi, d'accord? Jamais cru ça. Ça ressemble aux escaliers de secours. C'est un immeuble remarquablement protégé ou la plus chic des prisons. Richard, est-ce que vous avez envie d'une pizza? Oh non, merci beaucoup. Richard, je ne veux pas d'armes à la maison. Je vous l'ai dit quand je vous ai loué la chambre. Il n'est pas chargé. Ça ne fait rien, ma fille reçoit des amis ce soir. Je ne veux pas de ça ici. C'est compris? Je vais les enlever. Quand? Je veux le savoir, Richard. J'ai dit que j'allais le faire, Nancy. Bonsoir, Chris. Oh, il est déjà 6 heures? Non, j'ai dû ajuster mes horaires afin de partir tôt et d'éviter une certaine personne, vous vous rappelez? Ah ouais. Dites donc, Laura, à propos de la demande pour l'habilitation haute sécurité, quand est-ce que je l'obtiens? J'y travaille, mais c'est une torture, ils veulent tout savoir. Eh, quand on travaille pour la défense, il faut bien fournir des renseignements, non? Alors avancez le dossier. Parce que vous n'aurez pas de promotion sans cette autorisation. Je vais le faire. D'accord, merci. Bonsoir. Bonsoir, à demain.
Le nouvel appartement est plus joli et bien plus discret. Mais il doit vous coûter une fortune. J'appelle la police. Je crois pas que c'est une bonne idée. La fin d'année va arriver et tu m'as toujours pas envoyé une carte de vœux. Combien de temps croyais-tu que je mettrais à découvrir où tu habites? Est-ce que tes deux sœurs sont aussi rusées que toi? Ta petite sœur Sarah, elle vit dans l'Oregon. Et ta grande sœur, Bonnie, elle travaille à Newport Beach, c'est ça? Oh mon Dieu! Je sais même que tu as goûté à la marijuana au collège. Si nous devons sortir ensemble, tu devras me promettre que tu ne toucheras plus à la drogue, plus jamais. Laissez-moi! Laissez-moi! Si tu tentes de t'enfuir, j'irai trouver une de tes sœurs. Ou peut-être même ta mère. Qu'est-ce qu'il y a? Jusqu'où vous voulez me pousser? Vous voulez me tuer? Qu'est-ce que vous voulez de moi? Vous voulez me violer? Toi et moi sommes faits l'un pour l'autre. Pourquoi moi? Dites-moi pourquoi moi? Tout ce que je sais, c'est que toi et moi sommes faits l'un pour l'autre. À tout jamais. Vous êtes dingue. Vous êtes malade. T'avais donné. Je vais la ramasser. On peut peut-être la recoller. C'est pas grave. Tu vas pas faire une maladie pour cette sottise. Oh. Toi, t'as un problème. Un paquet pour toi, Laura. De Californie. Tu as un petit copain et tu ne nous en as pas parlé? Non, pas du tout. Que je me plains tous les jours. Mais il ne m'écoute pas. J'ai même l'impression qu'il me croit responsable de tout. La patronne du personnel dit que c'est peut-être ma faute parce que mon sourire le provoque. Oh, mais c'est ridicule. Je devrais peut-être aller y faire un tour. Non, papa, c'est la dernière chose à faire. Laura, chérie, tu as du talent. Tu peux trouver une entreprise ailleurs. C'est hors de question. Pourquoi? J'ai travaillé tellement dur, toute ma vie j'ai rêvé de ça et maintenant j'ai enfin réussi, mon but est atteint. Je refuse de gâcher ma vie à cause d'un homme. Si je le fais, ça prouvera que je suis sa victime et il aura gagné. Je vais retourner les voir, papa. Je les obligerai à m'écouter vraiment. Je te le promets. Nous essayons de faire quelque chose, Laura. C'est une situation très complexe. Vous avez ces lettres, des témoins. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus? D'ailleurs, mon travail finit par en être perturbé. Nous refusons de compromettre l'habilitation de sécurité de Richard. Nous allons restreindre ses droits d'accès pour l'empêcher de vous approcher. Et nous allons lui offrir de suivre un programme de conseil psychologique. Psychologique? Il refusera. Il acceptera ou il sera renvoyé. J'aimerais d'ailleurs que vous puissiez y participer un jour. Oh, je n'ai pas besoin d'assistance. Tout ce que je veux, c'est que ce type me laisse tranquille. Je comprends. Est-ce qu'il vous suit encore à l'aérobic le soir? À chaque fois, il est membre maintenant. Vous pourriez laisser tomber quelque temps. Ça crée... Ça crée quoi? Une situation ambiguë. Vous savez,
les justes corps. Vous êtes sourde ou quoi? Le problème ici, c'est Richard Farley, pas moi. Attendez! Regarde! Qu'est-ce que t'en dis? Ah, c'est mignon! Ah oui! Quand il sourit, alors là! J'en sais rien! Oh, il est adorable! Il est chouette, non? Entendu. Au revoir, bientôt. Merci, Valérie. Au revoir. Moi, c'est tout à fait mon genre. Alors, raconte-nous, dis-nous tout. Je veux tous les détails. Moi, je l'adore. Il est superbe, qu'est-ce qu'il te veut? D'accord. Il s'appelle Sam Waters et il est au système chez Fairchild. Oh, et il veut sortir avec toi? Oh, peut-être bien. Oh, je t'en prie, raconte-nous les détails. Depuis quand tu le fréquentes? En fait, je le connais pas bien, mais il a été élevé dans un ranch au Montana et... il fait du rodéo. Oh, maintenant, je vous permets de jouer dans mon choral aussi souvent qu'il voudra. Oh, excusez-moi, je m'attends une minute. Viens, du Montana. Quand il veut, il vole. J'ai passé la journée au programme d'assistance et je n'ai aucune intention d'y remettre les pieds, c'est fini. Toi et Penny et Chris, vous ne savez pas de quoi je suis capable. Je suis... Allez chercher le directeur, courez! Je veux que vous me laissiez tranquille. Je prends pour un jobard, c'est ça? Non, Richard, je crois que vous êtes sérieux. Ouais, mais t'as raison, Richard! Tu es inconsciente. Pourquoi tu fais ça? C'est pour voir jusqu'où j'irai? Tu veux avoir raison, tu veux être la plus forte et raconter partout que tu as gagné? Non, il s'agit pas de gagner, je veux seulement être tranquille! Tu as intérêt à te taire, ne raconte à personne ce qui s'est passé ici, c'est compris? Il pourrait se faire des idées et réagir d'une manière stupide et moi aussi je ferais quelque chose d'absurde et ça finirait très mal, personne ne contrôlerait plus rien! C'est gênant! Ce serait l'escalade, Laura. J'ai peur moi-même de ce que je suis capable de faire. Je ne suis pas certaine que vous compreniez la gravité de ce qui s'est passé. Je ne crois pas que vous ou qui que ce soit ayez le droit de contrôler ma vie privée et mes agissements. Est-ce que vous savez que ce genre de harcèlement sexuel est illégal, qu'on peut vous renvoyer? J'ai travaillé ici plus de 9 ans. Si je perds mon emploi, il ne me restera plus rien. Oui, précisément. Nous voulons que vous restiez. Je me suiciderai. J'ai plusieurs armes. Je ne serai pas le seul à partir. D'autres me suivraient. Richard, vous voulez dire que si vous êtes renvoyé, vous me tuerez, moi ? Oui. Pas que vous, des tas d'autres en plus. Excusez-moi. Laura. Richard Farley ne fait plus partie de cette entreprise depuis quelques heures. Quand est-ce que ça s'est passé? Hier soir. Laura, vous avez des amis chez qui aller ce week-end? Quel rapport? Vous devriez vous absenter quelques jours. Partez tout de suite. Nous vous paierons votre après-midi. Donnez-moi un soda. Tiens, Farley. Tu fais l'école buissonnière? Tu parles? Je viens d'être viré. Ah bon? Mike aussi? Eh ouais. Vas-y, assieds-toi. Bienvenue au club. Tu sais ce que je pense? Cette sale boîte est une ordure. J'y ai passé 6 ans, je me suis crevé au boulot pour eux. Tout le monde s'en fiche, ils ont aucune loyauté. J'y suis resté 9 ans et comment ils me remercient? En me virant. Sans jugement, sans appel. Tout à coup, c'est terminé. Il faudrait les secouer un peu. Quelqu'un devrait les forcer à avoir davantage d'égards. Ouais.
Il faut qu'on leur donne une leçon. Tu crois qu'ils voudront t'écouter? On est déjà du passé, ça leur est bien égal. Larry, toi qui étais en bas, les portes d'entrée, est-ce que sont à l'épreuve des balles? Non, pas du tout. Et les portes qui séparent tous les bureaux, elles sont massives ou creuses? Elles sont creuses. Pourquoi? Et qu'est-ce que t'as dans la tête? Un de ces jours, les gars. Qu'est-ce que tu comptes faire? Je veux dire, maintenant que tu es libre de ton temps. Non, c'est rien. Je trouverai bien. Qu'est-ce que t'en dis? Écoute un peu, j'ai quelques petites choses à régler, mais je repasse ensuite et je t'emmène déjeuner! Richard Farley est parti, il n'est plus employé par la compagnie. Mais la compagnie peut demander une sommation. C'est à vous d'entamer cette procédure si vous la jugez adaptée ou nécessaire, mais notre entreprise n'en paiera pas les frais, elle n'est plus concernée. Mais vous l'avez renvoyé pour harcèlement sexuel? Non, pas du tout. On l'a remercié parce que la qualité de son travail avait chuté. C'était plus habile ainsi. Habile? Plus habile pour qui? Vous avez peut-être gagné $1 million, ça m'étonnerait. Oh, 2 parts gratuites de pizza, c'est bon à prendre. 3 coupons de vendeur de tapis et une lettre de monsieur tu sais qui. Chère Laura, merci de m'avoir fait renvoyer. C'est la meilleure chose qui pouvait m'arriver. Kay m'a donné des références très neutres qui m'ont permis de trouver un poste au service informatique chez Prototrans à Cupertino. Avec un intéressement au chiffre d'affaires. D'abord, on fait. J'étais inscrite comme bénéficiaire de mon assurance sur la vie. Je suis des cours de formation continue à San José. J'ai eu 92 à mon premier examen. Combinaison linéaire, équation matricielle et toutes les joies de l'algèbre linéaire. J'ai quitté ma chambre chez Nancy et je loue une maison depuis 2 mois. Le loyer est de $450, mais les travaux sont à ma charge. Je vais installer une chambre d'amis. Tu peux y venir quand tu veux. Tu sais ce qui m'inquiète dans mon amour pour toi? C'est que je me demande si je m'intéresserai encore à toi. Si tu devenais moins farouche. Tu peux obtenir une sommation de ne plus t'approcher, mais l'avocat te coûtera cher. Ça me serait égal si j'étais sûre que ça pouvait servir. Mais même s'il viole la sommation, il ne recevra rien de plus qu'une tape sur les doigts. Oui. Juste de quoi le provoquer un peu. Tu arrives à vivre avec ça, Laura? Pour l'instant, ça va mieux. Il m'a un peu oublié ces derniers temps. Je suis tout... Merci. Ça va aller, Sam. Je te promets. J'ai appris à vivre avec. Laura, écoute-moi. Tu dois prendre toute cette histoire plus au sérieux. Ça rentre là. C'est tout simple. Vas-y, essaye. C'est
c'est ça? Oui, tu vois, c'est facile. Et n'oublie pas, si tu tires sur lui, il faut que tu vides le chargeur, les 9 coups. Oh non, non. Si tu pourras. Aucun juge au monde ne te condamnerait si tu l'abattais dans ton appartement. Je déteste ça. Je n'arrive pas à croire qu'il s'agit de moi. Voilà. On va le laisser là. Et si vraiment il te perturbe trop, je te promets que je passerai le reprendre. D'accord? Allez. D'accord. Merci, Sam. Bonne nuit. Sois prudente. Tu m'appelles si jamais tu as besoin de moi. Oui. Merci. Réveillé? Oh, je suis désolé. Je voulais être sûr que tu trouverais ce mot demain matin. Comment êtes-vous entré? Oh, tu recommences? Toujours aussi agressive? Ce serait tellement facile, Laura, si tu acceptais de sortir de temps en temps avec moi. Je serais plus forcé de me glisser la nuit dans ton garage pour laisser une lettre sur ta voiture. C'est pas si difficile. Vous allez continuer ce jeu-là longtemps? C'est exactement ce que je veux que tu comprennes. Tout dépend de toi maintenant, Laura. Dès que Kay me remboursera les sommes versées pour ma retraite, j'investirai dans l'immobilier. Et je voudrais qu'on s'associe tous les deux. C'est ça que je t'explique dans la lettre. Bon, je vais te laisser te recoucher. Oh, je voudrais que tu m'envoies le nouveau programme de softball. Merci. Bon, c'est entendu. Je vais lui faire part de la décision et lui demander son avis sur la suite des opérations. On va essayer de régler ça le plus vite possible. Je suis content de vous avoir vu. D'accord. Oui, au revoir. Au revoir. Merci de nous avoir consacré votre temps. Je vous en prie, c'est tout à fait normal. On se retrouve ce soir? Oui, je te ramènerai. Au revoir. Et alors? Ah! C'est au point. Je crois que vous allez pouvoir pratiquer les essais bientôt. Chris, vous êtes dur avec moi. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Rien d'important. Nous avons discuté le programme général et... ils approuvent votre promotion. Vous serez analyste de système. Il y a une difficulté. Votre habilitation haute sécurité ne nous est pas parvenue. Vous savez qu'il vous faut cette autorisation pour avoir la promotion, n'est-ce pas? Ils n'attendront pas indéfiniment. Je me suis donné du mal, Chris. Je le sais. Écoutez, je crois que vous êtes perturbé par Richard Farley. Il vous traque toujours. Obtenez que le juge lui fasse une sommation. Allez consulter un avocat. Richard Farley. Vous êtes le type de digital? Je suis content de vous voir. J'ai un acte juridique à vous remettre. C'est une sommation de ne plus l'approcher. Laura ne peut pas me faire ça. Elle le peut et elle l'a fait. L'audience devant le juge est jeudi matin. Porter des vêtements classiques, c'est ça qui leur plaît. Ça n'est pas le juge qui me préoccupe. Laura, j'ai vu des dizaines de types comme Farley.
Vous n'entendrez plus parler de lui à la fin de l'audience. Bien. Je serai là. Oui, merci. On va essayer d'obtenir du juge un ordre permanent contre Farley. Bien. Tu as fait ce qu'il fallait. T'as pas laissé le choix. Oh, vite, signe là, ils arrivent. Oui, d'accord, à tout à l'heure. Un anniversaire? Leur première année de mariage. On a prévu un gâteau. Salut. Salut, Wayne. Qu'est-ce que c'est? Rien. C'est rien. Oh, bon sang. J'aimerais bien le voir en tout terrain. Quelle merveille. Et il me plaît vraiment, seulement... Ça coûte une fortune, et bon sang, un de ces jours. Eh oui, mais c'est maintenant que je veux le vendre. Et je regrette, j'ai pas les moyens. Écoute, Gary, il y a 2 ans, je l'ai payé 18 000, mais je suis prêt à te le laisser pour 4 500. Ça vaut au moins le double. Je sais, mais malheureusement, j'ai besoin d'argent. Tu es sûr de ce que tu dis? Ouais. La seule condition, c'est que ça soit payé cash. Bien sûr. Extrêmement rapide, c'est ce que vous obtenez avec ce bijou. C'est le meilleur qu'on ait sur le marché. Facile à manier? Très souple. Et il n'a que très peu de recul. C'est important pour la rapidité. C'est le modèle le plus cher que nous ayons. Mais il y en a d'autres qui sont très bons. Faut savoir mettre le prix. Je le prends. Bien. Quelque chose d'autre? Nous faisons les soldes annuels. Nos prix sont imbattables. Ouais, justement, je veux autre chose. Laquelle de ces vestes contient le plus de munitions? Celle qui est sur la droite. C'est elle qui a le plus de poches. Très bien. Je la prends aussi. Autre chose? Ouais. Donnez-moi des balles à chevreuil. Des 12-0, mettez-en 2. 2 boîtes? Non, 2 caisses. Ça fait plus de 2000 coups. Vous dites qu'il faut profiter de ces prix? Ah oui, j'en ai un qui peut vous plaire. Je crois que c'est exactement ce que vous cherchez. Le grand style pour faire un beau voyage. Un lit double, la cuisine, une télé couleur. Ce qui est séduisant, c'est qu'il est très spacieux. Ouais. Combien de personnes serez-vous? Non, c'est seulement pour moi et ma femme, Laura. Elle va être impressionnée, c'est sûr. Tu veux quelque chose? Non, merci. Allô, papa? Hey, en voilà une bonne surprise. Je pensais à vous. Dommage que maman soit sortie. Comment ça va, mon chéri? Ça va. Je vais finalement voir le juge demain. Ça se passera bien. J'ai hâte d'en avoir fini, que ce soit réglé.
dis à maman que je l'embrasse. Oui. Et toi, fais bien attention à toi. Je t'aime, tu sais. Je t'aime, ma chérie. Salut Larry. Non, tu n'es pas sérieux. Hé, hey, Larry. Les cow-boys et les Indiens. Qu'est-ce qui se passe?
bloquer les deux accès au parking. Et ne restez pas devant les fenêtres. Bougez-vous. Restez à couvert derrière les voitures. Nous allons faire feu. Restez à couvert. Est-ce qu'on sait qui est le tireur? Non, capitaine. On ignore s'il s'agit d'un homme seul ou d'une bande de terroristes. Une intervention va venir. Qu'est-ce qu'il fabrique, celui-là? Ne vous approchez pas de l'immeuble. Je répète, n'entrez surtout pas dans l'immeuble. Arrêtez-le. Arrêtez cet homme. Oui. L'escalier. Notre poste de commandement est au second étage, ici. Le tireur est au second étage, là. Identifier la personne. Richard Farley. Il s'agirait d'un problème avec une des employées, Laura Black, qui travaille dans le bâtiment. Et elle est? Eh bien, autant qu'on le sache, elle est dedans. Il est au second étage, quelque part entre ici et là. Oui. Combien d'employés restent-ils dans le bâtiment? Ben, on n'en sait rien, mais on croit qu'ils sont au minimum entre 30 et 50. Capitaine? Lieutenant Grijalva, négociateur. Tenez, ils vous ont installé un bureau là, juste de l'autre côté. Merci. Laura. Je
notre tueur. Et voici son dossier militaire. Distribuez-en un exemplaire à chacun des hommes d'intervention. 11 années dans la marine, démobilisation avec honneur, habilitation sécurité. Aucune maladie mentale, aucun dossier criminel. Jusqu'à ce jour... Il a formulé des exigences? J'en sais rien, non. Capitaine, on l'a au téléphone. Je tiens à m'assurer que je parle à la bonne personne. Oui, c'est moi qui tire sur tout le monde. Je suis un négociateur et mon rôle consiste à vous aider à sortir de cette situation vivant. Je ne suis pas encore prêt à sortir. Je veux savourer ce que j'ai fait. Vous pouvez leur expliquer que tout ça est à propos de Laura Black. À propos de quoi? Dites à son avocat et à son copain Chris qu'ils lui ont donné de mauvais conseils. Y a-t-il de nombreux blessés là-haut, Richard? J'aime autant vous prévenir tout de suite. Je ne veux voir aucun de vos policiers s'approcher de moi. J'ai un arsenal, je peux tenir. Quel genre d'armes vous avez? C'est tout. Je ne dirai rien de plus que ça. Vous êtes chasseur, n'est-ce pas? Vous vous y connaissez en fusée. Je préfère tuer les personnes que les animaux. C'est pas sportif de tirer sur les animaux. Laura! Oh mon Dieu! Qu'est-ce qui a fait ça? Oh, il faut qu'on sorte d'ici. Oh, regarde son bras. Oh, je veux sortir le bras. On va te bander l'épaule. Il faut que... Ah, attends une minute. Là, je te laisse te bandir le bras, ça va un peu t'aider. Vas-y. Ça va aller. Laisse-moi te mettre ça. Tiens, ça. Voilà. Oh, pardon. Chut. Je t'en prie. Il faut que je le fasse. Si on attaque le bâtiment simultanément avec les deux équipes ici, ici et ici, on l'aura. Il y a encore des tas de personnes dedans. Beaucoup sont en très mauvais état. Je sais, mais le prix à payer pour prendre la baraque... Non, je refuse de faire ça. En tout cas, pas encore. Et si on a tiré Farley devant une fenêtre? Alors là, vous avez le feu vert. Vous l'abattez. Vous êtes sûr que j'ai tous les différents numéros de téléphone? Je vais vérifier. Tous les appels de l'extérieur ont été transférés ici. Allô? Oui, c'est vous, Richard? On a entendu un coup de feu, tout va bien? Vous me prenez pour un imbécile? Vous essayez de localiser ma position pour savoir par où m'attaquer. Désolé, monsieur. Il a raccroché trop tôt. On peut pousser l'armoire devant la porte. Il faut qu'elle reste là, sans bouger. Ne faisons pas de bruit. Non, non. Non, je ne veux pas. Je ne veux pas rester là, attendre qu'il vienne là-bas. Non, Laura, tu vas pas sortir. Laura, non. Non. Je ne veux pas rester avec là. Non, Laura! Reste là! Reste! Reste! Reste.
Je veux que vous libériez la ligne. Rappelez plus tard. Quoi ? Je vous dis de raccrocher. Je suis blessée et je refuse de raccrocher. Pardonnez-moi, je suis désolé. Qui êtes-vous ? Laura Black. Laura, où êtes-vous blessée ? À l'épaule et je saigne énormément. Laura, où vous trouvez-vous exactement ? À moi. Eh bien, je suis au second étage, à la réception, je crois. Il faut qu'on m'aide, qu'on sorte de là. Attendez, Laura. On va essayer de venir vous chercher. Quand ? Dites-le-moi. J'ai mal. J'ai beaucoup de mal à respirer. Je crois que j'ai le poumon qui est percé. Il doit être percé. Je suis... Il faut me sortir de là. Laura, continuez à parler. Ne vous arrêtez pas. J'essaie. J'ai mal. Je me... Aidez-moi. Laura. Laura, continuez, parlez-moi. Allô ? Laura ! Trouvez-moi la personne qui l'a vu garer son camping-car. Capitaine ? Ici Hansen, je vous écoute. Chagan. Je vous appelle du camping-car. Il y a des fils et des détonateurs. J'ai peur qu'il ait des explosifs. Sortir de là. Laura, attendez. Il n'y a pas moyen de faire monter quelqu'un là-haut. Vous allez devoir faire preuve de patience. Laura ? Laura ? Écoutez bien, parce que je le répéterai pas. Je vois par la fenêtre l'équipe d'intervention qui remonte du côté de Bancroft Boulevard. Je ne veux plus qu'il bouge ou bien je vais faire exploser tous les bureaux de l'étage. Vous comprenez ce que je vous dis ? Gardez votre sang-froid. Il veut que l'équipe d'intervention quitte Bancroft. Mais c'est moi qui déciderai quand. Lieutenant Bannister, repliez tous vos hommes qui s'éloignent du boulevard. Dites-moi, Richard, en dehors de tous vos fusils, vous avez des explosifs sur vous ? Oh oui, bien sûr, j'en ai. Je suis là pour faire trembler tous ces salauds. C'est la faute de Laura si on en est arrivé à ce point. Je l'avais prévenu que ça tournerait mal. Je lui avais dit qu'elle s'en tirerait pas comme ça et je vous garantis qu'il va y avoir des tas d'autres cadavres si jamais la police s'approche. En fait, rien de tout ça serait arrivé si elle était sortie avec moi juste une fois. C'était pas la fin du monde, que je sache. Vous trouvez pas ? Pourquoi est-ce qu'elle est aussi têtue ? D'ailleurs, je lui aurais pas fait de mal si j'avais pas reçu ce papier du juge. Je les avais prévenus que je me laisserais pas faire. C'est pour ça qu'il y a des cadavres partout. Il fallait que je leur montre qu'ils voient que je suis pas une chiffman. Alors écoutez bien, je vais guetter les types de l'intervention et si je les vois, vous allez avoir des problèmes. Nous voudrions en finir avant qu'il y ait d'autres blessés. Reculez, reculez !
ravisseur. Couchez-vous. Couchez-vous. Et ne tirez pas. À cause de moi. Qu'est-ce que j'ai fait? Dites-moi ce que j'ai fait. On va vous conduire à l'hôpital. Détendez-vous, on va s'occuper de vous. Comment vous appelez-vous? Laura. Laura Black. Dites-moi, Richard, comment croyez-vous qu'on puisse résoudre ça? On ne peut pas. J'ai fini par me mettre en tête que j'allais crever ici. C'est juste une question de quand et de qui j'emmène avec moi. Trouvez-moi un soda glacé et j'y réfléchirai pendant ce temps. Je veux un soda glacé et un sandwich. Mon patron peut accepter, mais il va vouloir quelque chose en échange. Je veux pas un soda en canette, je veux un gobelet. Je veux la très grande taille de gobelet avec des tas de glaçons dedans. Je croque mes glaçons, alors il en faut des tonnes. Il faut se dépêcher, allez. Sa tension tombe à toute vitesse. Il faut une sonde, dépêchez-vous. L'impact a eu lieu dans l'épaule. Il a fracassé le sommet de l'humérus. Ça devait être un fusil. Je crois que ça a aussi pénétré le poumon. On la met en trauma et on lui fait une laparotomie. On va lui faire une transfusion. Demande s'il y a du sang entre bateau. Où est la sonde? Je veux une sonde, vite! Elle s'appelle comment? Laura Black, ils l'ont dit aux infos. Ne me laissez pas tomber, Laura. Tenez le coup. Nous sommes sûrs qu'il est dans ce périmètre au second étage. On va essayer d'évacuer le premier étage. Il faut que vous lui occupiez l'esprit. Je vais me servir de son envie de boisson et de sandwich. Je voudrais lui faire échanger la nourriture contre des armes. Il commence à être fatigué. Si vous le faites s'approcher et jeter des armes au travers d'une de ses fenêtres, je ferai placer mes tireurs d'élite pour qu'il l'abatte. Vous croyez pouvoir? Eh bien, je voudrais essayer d'abord d'obtenir qu'il se rende. Pas de problème. Mais s'il n'est pas d'accord, alors faites-le venir devant une fenêtre. Bien, monsieur. Pourvu que ça marche. Oui. Comment ça va là-haut? Venez par ici. Mais j'ai pas l'intention de me rendre si jamais c'est ça que vous espérez. Attendez une minute. C'est Nancy. Sortez de là, Nancy. Dépêchez-vous de sortir. Laissez-moi faire quelque chose pour vous, Richard. Il est trop tard pour ça. Allez-vous-en, Nancy. Vous en êtes où de ma nourriture? Allez, 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 vite, 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 vite. Je voulais dire, Richard, mon patron voudra obtenir un échange. Vous accepteriez de nous remettre quelques armes contre votre nourriture? Comment je vous les remettrai? Vous n'avez qu'à briser une des vitres face à Bancroft et les jeter par la fenêtre. Après les avoir déchargés, naturellement. Je n'ai pas vous donné tous mes fusils. Vous pouvez nous en remettre quelques-uns en signe de bonne volonté pour calmer mon patron, Richard, vous comprenez. D'accord.
D'accord, je vous donne un fusil de chasse. Et un pistolet 22 Magnum. Voilà ce que je voudrais manger. En plus d'un grand verre de soda glacé. Le numéro 26 des sandwichs de chez Togo. Togo? C'est au coin de la rue Collingwood. Ah, entendu. Je voudrais le numéro 26, sans tomates et avec du fromage suisse. Bon, le numéro 26. C'est le meilleur. Sans tomates. Un double sandwich. Je vais peut-être avoir faim, je suis peut-être là pour longtemps. Attendez, Richard, ne raccrochez pas encore. Donnez-moi une minute que je passe cette information à mon patron, d'accord? Je n'arrive pas à trouver Laura. Je crois qu'elle a dû sortir. Je voudrais savoir si elle va bien. Je n'en sais rien, je vais me renseigner. Ouais, faites vite. Je crois qu'elle est sortie. J'espère qu'elle va bien, je tiens à ce qu'elle vive. Elle ne regrettera rien si elle ne survit pas. Je veux que Laura sache que j'étais sérieux. Il fallait que je me venge. J'allais la regarder jouer, elle s'asseyait à un mètre de moi. Puis elle me montrait du doigt, elle se moquait de moi, elle parlait de moi. Elle n'a pas le droit de jouer avec la vie des gens. C'est là-haut. Visez la fenêtre. On met en place, capitaine. Compris. Si vous arrivez à le faire bouger, nous sommes prêts. Ouais, entendu. C'est bon. Oui, on l'a situé. Alors tenez-nous au courant. C'est ça, oui. Combien de temps il faut pour avoir un sandwich et un soda glacé? Ils sont posés en face de moi, Richard. J'ai un numéro 26 et un grand soda plein de glaçons. C'est à vous de jouer. Jetez les fusils par la fenêtre. D'accord. Je vais briser la vitre d'une fenêtre sur Bancroft et ensuite je vous balancerai les deux armes. Assurez-vous aussi qu'elles sont déchargées. Oui. Je vais démolir le carreau avec une chaise. Richard. Oui. Une dernière chose. Quand vous aurez jeté les armes dehors, nous aurons un problème pour vous donner le sandwich. Il faut trouver le moyen de vous le monter. Oui, c'est vrai. Vous pourriez descendre le manger ici. Me rendre à la police, c'est bien ça que vous voulez dire? C'est ce que je voudrais, en effet. Ben, d'abord, il faut que je m'interroge, que je sache si je veux vivre en prison. Bien sûr que oui. Vous pourriez y enseigner l'informatique. Ouais. Je pourrais enseigner. Il faut que j'y réfléchisse. Richard, j'ai votre soda glacé juste ici devant moi et les glaçons fondent. Les glaçons fondent. D'accord. Dites-moi ce que je dois faire. Docteur, vous avez des nouvelles de Laura Black? Vous êtes une parente? Je suis son amie. Votre amie est une battante, elle va s'en sortir. Je peux la voir? Ils vont la descendre dans sa chambre dans quelques minutes. Merci. En arrivant en bas, vous trouverez un officier qui vous dira où aller. Faites exactement tout ce qu'il vous dira. Je ne voudrais pas me mettre à genoux. J'ai mal aux genoux, ça me blesse. Alors, s'il veut que je me mette à genoux, il faudra qu'il me laisse le faire en douceur. C'est normal, vous n'aurez qu'à lui expliquer, le prévenir que vous bougerez très doucement. Et je m'approcherai de vous ensuite. Mais surtout, faites des gestes mesurés. Allez-y lentement. Ça va aller. Très bien. Entendu. À tout de suite. Il va descendre, attention.
Il va descendre. Vérifiez aussi ma poitrine. J'ai vu un film un jour où un type avait un pistolet au bout d'une chaîne autour du cou. Vous êtes en état d'arrestation. Vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous. Vous avez le droit de consulter un avocat ou de demander qu'un avocat soit commis pour votre défense. Vous comprenez vos droits, mon sandwich ? Salut Richard. J'apporte votre sandwich. Allons-y. Vous croyez que Laura se rappellera cette histoire ? Richard Farley a été jugé coupable de 7 homicides volontaires et condamné à la peine de mort. Après avoir subi plusieurs opérations, Laura Black a retrouvé l'usage partiel de son épaule. Elle travaille toujours pour la même société. À la suite de cette affaire, l'État de Californie a promulgué pour la première fois en Amérique une loi contre le harcèlement.